Le marché du Beffroi, un lieu que les élus FN connaissent bien pour y venir régulièrement. Gilles Godefroy, Hélène O'Connell, deux élus municipaux à la ville de Tours qui arpentent les allées. Ce matin, c'est Daniel Fraxac, tête de liste pour l'Indre-et-Loire, qui distribue les tracts du parti. On compte sur vous. C'est vrai que ça me fait un peu peur, moi, cette France, maintenant. Je fais partie des gens qui perdent un peu espoir sur la France. Mais bon, c'est comme ça. Et le vote FN, c'est une solution pour vous? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas trop je ne suis pas vraiment contre. Je baisse mon ton, je ne baisse pas, j'en ai pas honte. Il y a des fois, il y en a assez, maintenant. Oui, c'est vrai. Vous tombez souvent sur des gens comme ça qui expriment leur colère? Oui. La colère, elle est latente dans la population, surtout au niveau de la sécurité, les dérives qu'il y a, même dans une ville comme Tours qui paraît calme, c'est pas si calme que ça dans les quartiers. Il y a vraiment une montée de l'insécurité qui est ressentie par la population et un vrai malaise, quoi. 100% et 200%. Vous avez le sentiment que c'est un parti qui vous écoute? Oui, tout à fait. J'en ai marre d'être des voleurs comme tous les autres. Ce sont des voleurs. On ne peut pas dire ça, monsieur. On est pas je parle à madame, pas avec vous. Non. Je parle du gouvernement, je parle pas de vous. Ouais. Voilà. Vous voyez la jalousie? Pas la jalousie, ça n'a rien à non, voir. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Laissez-moi parler. Mais non, je n'ai pas votre parole avec la mienne. Chacun son parti. Non. Pardon. Pas du tout. Voilà. C'est la vérité. Vous attendez quoi du Front National aujourd'hui, monsieur? Il nous sauve. Si certains ne se cachent plus de leur préférence pour le vote FN, d'autres persistent à repousser ce parti. Bonjour monsieur, je vous en prie. Non, merci. Je lutte. Bonjour messieurs, dames. Je vous en prie si vous voulez prendre notre tract pour. Ah, vous êtes filmé en plus. Oh, là, vous avez fait rang. Oh non, je ne vais pas vous agresser, vous faites votre boulot, mais pas du tout. Bonjour monsieur. Le Front National, un parti qui parvient à mobiliser ses électeurs, quand la droite et la gauche, elles, assistent démunies à la démobilisation de leur électorat.